l'univers d'Akia. Aujourd'hui, je vais maquiller ma tata. C'est trop content. Et donc, le maquillage est là-bas, si vous le voyez un peu. Et je vais essayer de faire comme les pros. J'ai regardé quelques vidéos. J'ai un peu rien compris. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par le fond de teint. Okay, tu commences toujours avec... Ok, vas-y, je dis rien. Bon, on va commencer par les lèvres. Attends, s'il peut sortir. Oula. Là, c'est toi qui fais tout, donc je dis rien. Go. Par contre, je commence le front, les cheveux, ou le menton, ou le nez. Le front. C'est très marrante. Le sang. Ok. Non, je dis rien jusqu'à la fin. C'est toi qui fais tout. Attends. Ok, là c'est bon. Maintenant, moi. Là où t'es. Ah oui, les pinceaux. Bon, c'est des pinceaux. Ça fait depuis 2019. Que ma tata les a jamais ouverts. Donc vous avez de la chance, vous pourrez les voir. La première. C'est le brosse de... Révolution Make-up. Révolution London. Voilà. Tu peux m'aider à les oreilles? Au moins, tu sais qu'est-ce que chaque brosse correspond? Ouais. Attends, j'ai fini mes glaçons comme ça. C'est fait. Oh, ils sont ultra durs. Regardez. C'est magnifique. Quel beau ça. J'en avais besoin. Faut pas que le poil. J'ai besoin de. Il est où? Ah! Attends. Tu dis. Oui, tu dis rien. Oui, vas-y. Attends. D'accord. Un peu partout comme ça, ben le fond de teint ça va pas trop se voir, enfin on va dire que ça va pas trop briller. Ah oui, à la fois que je mets de partout pour que ça brille pas trop. Oui, parce que la vidéo a stoppé, donc on a dû recommencer, enfin pas recommencer mais continuer. Bon, on va rajouter un petit peu.
Et de temps en temps, tu regardes si... trop que c'est chaud. Non, non, il n'y a pas là par rapport à la caméra. Comme ça, ça ne fait pas comme tout à l'heure, ça n'éteint pas. Donc là, tu as fait quoi là? J'ai mis de la poudre un peu de partout par-dessus le fond de teint. Ok. Et là, tu vas faire... Les sourcils. Les crèmes sourcils, les gages là. Mais ceux-ci, ils sont noirs. Et là, c'est marron. Ah. En plus, là, c'est crayon à lèvres. Ah. Les crayons à sourcils. Attends, tu l'as pas pris? Attends, pas, je l'ai dans le sac. Tiens. Oh, il était là le sac. Là, c'est la dernière fois, je ne dis plus rien. D'accord. Ces deux-là, c'est pour les ceux-ci. D'accord, c'est toi qui sors. Ok, ça sera bon. Je sais pas du tout, mais c'est toi qui fais. Ouch! Désolée. On va utiliser la brosse à sourcils. En fait, on va utiliser. Oh, ouais, non, ça va commencer. Voilà. Eh, en vrai, je me suis pas mal débrouillée quand même. On n'a pas encore fini, tu sais. Tenant. Les joues. Et le contouring, c'est quand? Ah oui, le contouring. J'ai complètement oublié. Là, il faut m'empêcher parce que moi, tu commences à m'inquiéter. Alors. T'es sûr que c'est un contouring? Oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce que le but d'un contouring? Oui, de... c'est du faux. C'est pour que... Voilà. Maintenant, on utilise un pinceau pour le contouring ou... Ah oui, il y a un pinceau. Oh. Ah oui, ça y est, très bien. Lui. Ah oui, attends. Oui. T'es maquilleuse depuis combien de temps? 1990. Tu me rassures pas, Emma. C'est le but, non? Allez, go. Alors, si vous voulez un tuto, dans la vidéo, il disait que vous faites à partir de l'oreille, vous vous arrêtez au coin de l'œil. Et quand vous avez fait ça, vous devez estomper vers le haut. Donc là, tu es en train d'estomper là? Enfin, de faire disparaître le trait pour que, voilà. Ok. Et maintenant, pour la mâchoire, c'est le contraire. C'est vers le bas. C'est joli, non? Il dit jusqu'à la fin. Là, il te laisse faire toutes tes bêtises. Ben, un enfant, si ça fait pas de bêtises, c'est un enfant. Là, on est d'accord. On va dire que c'est bon. Et le nez, c'est aussi vers le bas. Non,
Bon, il n'arrive pas à respirer avec l'autre. Allez, encore. Sur ce côté, ça a marché. Bon. On verra ça à la fin. Maintenant, ça. Le highlighter. Merci, tata. Ou tu veux faire le highlighter à la fin, comme tu veux. C'est toi qui décides. Highlighter à la fin. La palette, on va utiliser ce pinceau. On va utiliser celui-là comme pinceau. C'est pour faire ressortir après le contouring. Go! Tu sais quelle couleur? Oui. Vous faites un truc comme ça. En fait, vous faites repasser un peu le trait. Là, t'es en train de maquiller mes cheveux, non? Non. À côté maintenant. Maintenant, on va passer au jour. Enfin, on va mettre la couleur sur les joues. Ce pinceau. Il est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Notre côté maintenant. Maintenant, on va passer aux yeux. Attends. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, l'highlighter et les lèvres. Je sais pas très comment ça se met un highlighter. En fait, c'est des droppers. Tu fais tch et ça coule. Ah oui, ça coule. Répétez maintenant. Après, il faut stomper aussi. Hein. Avec le pinceau ou le truc qu'on a utilisé pour le fond de teint? Ok, fait. Et il y a les flancs, il y a le nez, t'as oublié. Bon, on va faire avec ça. Tu rira de partout. Maintenant, on fait les sourcils, on fait les highlighters, les glaces.
Ça c'est bon. Et comment ça? Parfait, non. On n'a jamais trop assez. On va rajouter sur les coins ici. Les yeux avec... Bah, y a pas de couleur. C'est marqué quoi? Contour. Donc, c'est pas... Tu peux faire les yeux avec ceci. Oh, avec l'highlighter? Grow. Attends, il y avait un autre. Je t'ai pris... Là, il y a ceci. On a c'est... Je vais faire les yeux. C'est bon, t'as fini? Je pense. Bah voilà, comment je maquille ma tata. C'est magnifique, hein? Donc c'est bon, ça finit? Ouais. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu peux terminer avec quoi? Bah, voici comment on fait un recontouring et tout ça quand on est débutant. Bah, c'est que moi je suis professionnelle, hein, c'est sûr. Et maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Partagez-la. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez fait beaucoup rire. Vous avez fait beaucoup rire. Et voilà le résultat. Waouh! Ok. Bon, donc c'est tout? C'est à fini? Bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.